Et Malheureuse accusée de sorcellerie, voici tout ce que vous ignorez sur cette affaire. Yodé fait la paix avec sa femme ou bien Ariel Chiné. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La belle influenceuse ivoirienne Emma Lewis est accusée de sorcellerie par une dame. Les raisons, une restauratrice accuse Emma Lewis de pratiques mystiques. La belle actrice et businesswoman ivoirienne Emma Lewis a dévoilé en février 2021 une information assez bizarre à ses fans sur Snapchat. En effet, l'ex-copine de feu Didier Arafat a affirmé avoir été victime de sorcellerie. Elle a fait plusieurs publications dans lesquelles on aperçoit une chauve-souris dans une des pièces de sa maison. En croire ses propos, il est quasi impossible pour un tel animal de s'introduire dans la maison en question. Emma Lewis a fait savoir que cette curiosité n'est pas la première à se manifester chez elle. Vous avez essayé avec Canary devant le spa. Après ça, elle prend maintenant ses chauves-souris. L'argent que vous prenez pour marabouter vos amis pour qu'ils aient des difficultés dans leur vie ou pour attaquer le business. Donnez-lui un marabout pour travailler sur vous afin que vous soyez aussi quelqu'un, a-t-elle dénoncé. Plus d'un an après avoir affirmé être victime de sorcellerie, c'est Emma Lewis elle-même qui est maintenant accusée de pratiques occultes. À en croire abidjonshow.com, l'influenceuse est accusée par une jeune dame d'être la responsable de la destruction de son restaurant dans la commune de Yupougou. Celle-ci indique que la belle Emma Lolo, depuis son passage dans son restaurant, y a laissé de mauvaises vibrations qui lui ont causé d'énormes difficultés. Pour finalement aboutir à la destruction de son restaurant, elle est très mystique, aurait confié la plaignante à abidjonshow.com. Cependant, une source nous a confié que le restaurant de la dame en question était situé en bordure de route sur des carnivores et obstruait également le passage de l'eau. Ce sont dans ces raisons qui auraient poussé les autorités municipales à autoriser la destruction du dit restaurant. Yodé Siro Asafal Obien Ariel Chiné. Faites la paix, vrai non la paix photographique. Yodé Siro a invité le samedi 30 juin 2022 Asafal Obien Ariel Chiné à faire la paix, vrai non la paix photographique. On espère que vous avez compris que vous mettez beaucoup d'efforts à faire des querelles inutiles que de montrer votre talent intrinsèque. Vous êtes trop talentueux pour ça. La musique, c'est l'art de l'esprit. Si tu as une pensée négative pour ton prochain, rien ne marchera pour toi. Il y a de la place pour tout le monde. Notez bien, toutes les musiques du monde se jouent sur cette note. Donc imaginez un peu les différents artistes de différents styles musicaux de toutes les régions de tous les pays du monde. Faites donc la paix vraie et non la paix photographique et vous témoignez dans 6 mois. La communication de nos influenceurs. Comment ceux-ci se font de la notoriété? Comment communiquent ces influenceurs aujourd'hui? D'abord, un influenceur, personne qui influence l'opinion. La consommation par son audience sur les réseaux sociaux. La première remarque est d'abord faite à travers l'instinct de la créativité, ce qui est d'or, et déjà un atout très recommandé chez la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, que font-ils? Il y a d'abord plusieurs techniques d'approche à savoir. La cible à atteindre, c'est-à-dire l'audience. Ensuite, le contenu de la communication. En quelque sorte, une chose de vraiment attrayante. Il parle pour la jeunesse de notre ère car il est bon de savoir que les temps sont beaucoup révolus, mais cela ne signifie pas qu'il faut gagner en popularité de la mauvaise manière. Prenons l'exemple de ce berce actuel qui a particulièrement recouvré les chaînes nationales. Je vais parler ici de la Côte d'Ivoire. Aloko et frites en est une parfaite illustration. Une nourriture qui est naturellement consommée par les Ivoiriens devenue maintenant un sujet à titre contradictoire. On a en fait des débats sur les réseaux sociaux. Des personnes sorties de nulle part en parlent, puis ça prend. À cause de frites et Aloko, Jess a annulé son concert sur Ganoir. À cause de frites et Aloko, un couple s'est séparé. À cause de frites et Aloko, les gens sont en train de se frapper. Ceci est tout simplement une communication à caractère ludique, mais qui fort heureusement élargit la popularité de ces influenceurs, en leur accordant même des places dans des entreprises, sur des plateaux télé, sur de grandes chaînes télévision, à l'effet d'accroître la visibilité de celles-ci. Ce qui est un facteur prépondérant dans l'acquisition de ressources financières grâce à leur capacité à créer, permettant également un champ d'emploi assez large. Alors, jeunes communicateurs, diplômés que nous sommes, qu'attendons-nous pour être de véritables créateurs? Crise de contenu purement positif pour la nation ivoirienne. Voir le monde entier sur les réseaux sociaux. Le monde nous attend. Et bien, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye!